Coucou mes meilleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réservée à Samuel Eto'o. Mais avant, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification, clique sur l'option tout et partage cette vidéo avec tes proches. Entrons dans le vif du sujet. Petit Mila, Papa Eto'o, les surnoms sont nombreux pour qualifier Samuel Eto'o. Quadruple ballon d'or africain, vainqueur de la Liga, de la Ligue des Champions, de la CAN et des Jeux Olympiques, le lion indomptable camerounais fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Celui que certains surnomment Samuel Eto'o pour son caractère trempé est également un personnage people qui fait régulièrement la une des tabloïds. Cela ne nous a pas empêché de trouver 10 choses que vous ignorez sûrement sur Samuel Eto'o. La première chose dont vous ignorez sur le grand neuf, c'est qu'il possède son propre opérateur téléphonique. Eto'o a lancé en décembre 2011 son propre réseau téléphonique, un opérateur des réseaux mobiles virtuels dénommé Eto'o Telecom. Ce projet lancé au Cameroun était censé s'étendre à toute l'Afrique, mais connaît actuellement quelques difficultés. La deuxième chose dont vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'il a vécu clandestinement en France pendant 9 mois. Et oui, Samuel Eto'o a vécu en France sans papier pendant près d'une année. Arrivé avec un visa de 10 jours, ce sont finalement 9 mois que passera le jeune Camerounais à Paris pour chercher un club. Il rentrera finalement au Cameroun pour intégrer le Kaji Sport Academy de Douala. Une autre chose dont vous ignorez sur Samuel Eto'o, c'est qu'il possède une maison hantée. En février 2015, Samuel Eto'o s'est offert une propriété en Italie, la Villa Altachiara, qui serait hantée à cause d'une malédiction liée au pharaon Toutankhamon. Cette malédiction du pharaon remonte à un ancien propriétaire de la villa qui n'est autre que Lord Carnarvon. Celui qui a financé l'expédition ayant permis la découverte du tombeau de Toutankhamon. Le fait que la villa ait été le théâtre de nombreuses morts et disparitions inexpliquées n'a pas empêché le Camerounais de se l'offrir pour 25 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mais avant de partir, dites-nous en commentaire lequel des surnoms de Samuel Eto'o préférez-vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer sur la cloche de notification et de partager cette vidéo avec vos proches. Merci, à bientôt!